Je suis l'église spirituelle de la Confédération de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Le prophète Joël Crasseux que je suis, en même temps le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous, nous luttons contre la criminalité spirituelle, la délinquance spirituelle. Nous sommes ce matin à cette date de mercredi 16 juillet 2014, pratiquement 12 heures passées, à Douaville, pour une intervention, pour une prière, pour la continuité de la délivrance, pour parfaire un peu la délivrance. Un monsieur a fait des aveux, ayant brûlé la vie de ses enfants. Nous sommes là pour une délivrance. Je constate qu'aujourd'hui, le frère de Comte Donatien, je suis rentré dans son salon, il m'a reçu. J'ai constaté qu'il est bouddhiste. Donc j'ai vu. Comment vous avez dit ? Vous dites là ? On a vu la caisse. Donc j'ai dit que. Donc je lui ai dit que si moi je. Si tant qu'il ne renonce pas à ça, il sera difficile de prier pour eux. Il n'est pas mélangé, je suis un bouddha. Surtout qu'il ne croyait pas en l'essence de Dieu. Il ne croit pas les gens de Dieu. Moi, je ne suis pas venu prier pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Donc, s'il décide d'accepter Jésus, et de moi, je prierai pour la famille. Voilà, donc la balle est dans ton camp. Ça prend maintenant de décider parce que tu vas mettre un enfant de Bouddha. Tu dis sorti, a pris ta chance à l'enterrer. Donc, tu n'avais pas vu ça. Bouddha n'a pas vu, il ne va pas glauber. Il n'a pas vu ça. Et Jésus nous dit qu'il est le dessus de tout. Moi, j'ai dit aux gens, regardez seulement ma vie, tout croyant en Jésus. Parce que moi, il attrape sorcier, c'est pas maintenant ça. Depuis 2006, le sorcier ne m'a pas encore bouffé. Donc, vous devez croire que Dieu protège. Un Dieu qui ne te protège pas, il faut le quitter. Il ne faut pas dire non, c'est-à-dire mes parents étaient dedans. Si je ne te protège pas, il faut te séparer de lui. Ça veut dire qu'il est incapable d'assurer ta sécurité en mon nom. Donc, la balle est dans ton temps. Si tu veux que j'intervienne, Bouddha y a mis dedans. Il faut les faire sortir ici. Et on a dit de dégager. J'attends, je regarde. Donc je t'attends. On va y faire du bout d'heure. Tu bois 20 ou 20, c'est 10. Vert là, c'est pourquoi. Il y a 20 dedans, ouais, c'est l'eau. Ah, il a soif lui aussi. Mais ça, disons, il est soif dedans. Voilà, donc nous avons décidé de détruire tout ça parce que c'est de l'idolâtrie. Nous ne croyons qu'en Jésus-Christ seulement. Il y a quoi dedans là? Où il est? Et puis il connaît tout ça, hein, les noms. Là, on est un expert dedans. Je préfère qu'il soit expert en fait de Dieu. Laisse pratiquer du Bouddha. Après, il n'y a rien dedans. Rien dans tout ça. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je suis fils de musulman. Mes parents étaient musulmans et moi, j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ. Depuis, j'ai accepté Jésus, il est béni. Mes parents étant musulmans, ils sont morts dans fait, cette histoire. Nous, on a vu Nassidi. Moi, j'ai vu des grands marabouts chez nous. Il n'y a pas su la délivrance. C'est Jésus. Tu as mis, je dois vivre là-dessus. Le colis, voilà. Mais est-ce que tu es d'accord que tu veux renoncer à ça? Je suis d'accord. Mets-toi en genou parce qu'on va parler. Mets-toi en genou ici. Et puis tu vas renoncer. Tu vas regarder ici. Vous dites désormais tu renonces. Oui, c'est important. Parce que la Bible dit, décidez que vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Dieu qui doit être Dieu. Et Jésus-Christ est notre Dieu. Moi, je ne suis pas venu prier pour quelqu'un qui a Bouddha chez lui. Oui, il voit une idole. Et pour moi, j'ai accepté de prier, ça ne se mélange pas. Parce qu'après la délivrance, l'esprit revient. Et s'il revient qu'il n'y a plus de présence de Jésus-Christ, il s'installe. Ça peut créer d'autres choses. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ou c'est Jésus-Christ, ou c'est Bouddha. Maintenant, lui, le salut, il est personnel. C'est une question de décision. Donc, c'était à lui de décider. Ce n'était pas à nous de mettre ça dehors. Comme lui, il décide d'abandonner, c'est à lui de parler pour dire maintenant qu'il abandonne. Et que désormais son maître sera Jésus. Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Non, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de vie dedans. La vie se trouve uniquement qu'en Jésus. Allons-y. Aujourd'hui, mercredi 16 2014. Juillet. Je renonce aujourd'hui au Bouddha. Et je me donne à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est important. Thank you.
cette déclaration, je t'amène à accepter Jésus. Comment t'appelles? Oui, tu dis. Aujourd'hui, tu n'as pas d'après moi. Aujourd'hui, je décide d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, prends dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. À partir d'aujourd'hui, je renonce totalement à Bouddha, à toute forme d'idolâtrie. Désormais, tu deviens mon Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, je prie pour toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne remettrais jamais dehors celui qui vient à toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que ce bien-aimé a décidé de t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Merci de t'installer dans son cœur et dans sa vie. Et de le conduire désormais. Tu deviens désormais son Dieu. À partir d'aujourd'hui, Bouddha et les esprits bouddhistes n'auront plus une influence sur sa vie. Je prononce une séparation entre lui et l'esprit Bouddha, au nom de Jésus-Christ. Et je le plonge dans le sang de l'agneau. Et que sa nouvelle alliance soit le sang de Jésus-Christ. Et que tout pacte formel, informel, qu'il avait tissé avec le royaume de Satan et des démons, je brise ses pactes au nom de Jésus. Et la nouvelle alliance est le sang de l'agneau. Je proclame ta seigneurie et désormais Bouddha est vaincu dans cette maison et dans sa vie et partout autour de lui. Et que désormais, démontre à plus B qu'il a eu raison de t'accepter. Fais prospérer ses affaires au nom de Jésus. Fais prospérer ses affaires. Et que tout ce qui était bloqué dans sa vie se débloque au nom de Jésus. J'ouvre les portes de sa vie. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit amen. Amen. Voilà, tu vas prendre, on va le brûler. Oh, vraiment, je constate que le frère est vraiment touché. C'est pas moi qui ai dit d'envoyer, mais d'aller fouiller dans toutes ses affaires, envoyer tous les discours de Bouddha, montrer qu'il a vraiment renoncé à tout ça. Il a vraiment renoncé à ses messages diaboliques, sataniques. Tout le monde croit que Dieu n'existe pas. Dieu existe, il y a un Dieu. Et comme il y a un Dieu, il l'a accepté, et la vie va changer. À partir d'aujourd'hui, les gens verront qu'il sera prospère. Parce que renier à l'existence de Dieu, c'est un blasphème. Blasphémer même d'ailleurs. Dieu existe. C'est parce qu'il existe. Et quand Rihanna, le peuple d'Israël, nous comprendons un Dieu puissant. Quand vous étudiez l'histoire de 1967, la guerre des six jours, vous comprenez, allez demander aux Arabes. Ils ont vu la main de Dieu descendre sur Israël. Un petit peuple que Dieu a défendu. Dieu existe. C'est parce que Dieu existe. Et moi, Crasso, j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ, qui est le Dieu vivant. Et le bien-aimé, c'est vrai. Parce qu'il fallait lui présenter Jésus. Il fallait présenter. Il a compris que son père étant sorcier, nous avons prié ici, c'est doit vivre. Ça fait pratiquement 5 à 6 mois. Hein? Nous avons prié dans ce village. Nous avons consacré le village à Dieu. Pendant qu'on partait, les gens ne pensaient même pas qu'on avait consacré. Mais le monsieur et un jeune homme voulaient. Je voulais empoisonner. Voilà. Ce jeune homme-là qui est sur le frère, le petit frère à ce monsieur, son père étant à Tchassalé, a décidé d'aller rendre visite à son père, c'est ça? Oui. Il allait rendre visite à son père, puisqu'il ne voyait pas son père. Mais comme le village était... Vas-y. Comme le village était consacré à Dieu, lui venant de ce village, parce que c'est le combat que nous menons d'ailleurs, nous ne voulons plus, parce que si quelqu'un mourait d'ici de ce village, qui était un jeune, on dit, ah mais le prophète Crasso est passé, voici un jeune qui est mort, il n'a pas dit que quelqu'un n'avait pas mouru. La mort est naturelle. Mais pour nous, un jeune ne doit plus mourir. Parce que quand un vieillard meurt, c'est normal. C'est une mort normale. Mais quand un jeune meurt, nous ne sommes pas d'accord parce que ce n'est plus une mort naturelle. Parce qu'on a besoin de grandir et de réaliser nos projets. Et c'est le combat. Nous avons parlé sur le sort de Douaville. On n'est plus que ça arrive. Et ce jeune homme est parti, sortant de Douaville. Il allait à Tchassalé. Et sa Tchassalé, son papa s'est transformé en dozo, en féticheur. Il a voulu prendre son âme. Il a vu quelqu'un, forme de Jésus. Il a donné un point dans le cœur. Dans la poitrine, il est tombé. Et c'est pour ça qu'il a laissé ça. Ils l'ont fait promener dans les hôpitaux. Il a décidé de venir dans mon centre. Et c'est là-bas qu'il a fait des aveux. Et qu'il a compris que Dieu est puissant, que Dieu est réel. Et que depuis que nous sommes venus à Douaville, quelque chose, une prière a été faite. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille? Qu'est-ce qui a été fait dans ton village pour ne plus que les sorciers te mangent? Il faut qu'une action soit menée. C'est pour ça que nous vous motivons de vous inviter dans vos maisons, dans vos familles, dans vos villages. Parce que le problème que tu vas avoir ne viendra pas d'ailleurs, venant de ta famille, de ton village. Nous sommes brigades, nous luttons contre la sorcellerie et les méfaits de la sorcellerie.
tels que la délinquance. Il ne peut pas, il sort avec ses enfants, les empêche de vivre pleinement leur vie. D'autres, elle a bloqué la fécondité, d'autres, c'est le mariage. Voilà donc, voici une action de Jésus-Christ qui démontre encore qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de la sorcellerie. Voilà, du fétichisme de la sorcellerie. Et le bien-aimé a venu, il a renoncé à tout ça. Parce que pour nous, c'est important. Il y a un seul message que nous véhiculons, c'est que Jésus est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Voilà, donc si nous prions, constatons que nous prions pour des gens qui n'ont pas encore renoncé aux idoles, qui n'ont pas encore renoncé à certaines pratiques occultes, nous amenons à renoncer d'abord avant de faire la prière. Voilà. Envoyez H. On va casser ça. Bouddha, toi tu es dit quand tu es dit. Lui, il ne pas bien de nom, mais c'est non, tout ça, tu dois renoncer. Comme ça fait partie des pratiques de la vie, c'est des choses qu'on renonce à tout ça. Non, souvent les gens cherchent Dieu, mais dans les endroits inutiles. Ils vont dans les coins où il n'y a pas Dieu. Ça c'est rien, nombre de très petits qui courent dans la terre, qu'on poursuit son attrape. Mais oui, on a déjà plus de 100 et quelques petits. Il y a mis la chair humaine dans le canari, les sorciers. La petite chaîne était en train de mettre à des secours qu'on en est courant. Il n'y a rien dans tout ça. On fait avec l'essence, là dans ta moto. On va brûler tout ça. On va casser tout ça. Let me be.